This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was... something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that employee 427 did desk in room 427. Stanley worked for Stanley went around. Stanley stepped into the broom closet. Stanley just sat around. Stanley walked upstairs. Stanley was in such a rush. Stanley is quite a bore. Stanley for the first time. Stanley realized. Stanley had never seen Stanley knew the office. Stanley left from Stanley. Stanley just. Stanley was. Stanley still. Stanley was making. Stanley. Oh, come now. You don't want it to end already, do you? Why don't we begin again? Wait, how did you do that? Saluton! On se retrouve pour la découverte d'un nouveau jeu qui s'appelle The Stanley Parables, qui à mon avis veut dire le paradoxe de Stanley, et qui est un jeu malheureusement payant, disponible sur Steam et sur probablement d'autres plateformes. Disponible uniquement en anglais, mais je vous ai traduit le narrateur. La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez probablement pas besoin de l'acheter, sauf si jamais vous voulez découvrir les chemins que je n'aurais pas fait, puisque je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Si c'est trop long, on fera deux épisodes. Et je découvre exactement en même temps que vous. Est-ce que je suis censé faire quelque chose là ou est-ce qu'on attend ? What ? C'est le début du jeu ça, on est d'accord ? Ah voilà. Alors j'ai apparu. Je peux reculer mais je ne peux pas avancer. Ne pas les prendre en compte. Annuler ou annuler. Ok. Ah, je peux avancer. Ok, donc on est un employé de bureau. Je crois que c'est un jeu... un peu flippant en quelque sorte. Donc on est... tous les employés étaient partis. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Peut-être que Stanley avait simplement loupé le rappel. Ok. C'est tout vide, hein. C'est vrai que c'est chelou comme bureau. Oh, il y a un joli tableau. Notre jury artistique est unanime. Le tableau de l'année n'est autre que feuille. Enfin, ça dépend si on aime. Les grandes salles de réunion. Oh, c'est immense, c'est tout vide. Quand Stanley arriva à un sas composé de deux portes ouvertes, il choisit la porte de gauche. Attends. Ma conscience vient de me dire que Stanley a pris la porte à droite. Malheureusement, Stanley n'était pas très fort en anglais. Il se trompa donc de porte. Peut-être voulait-il simplement se rendre en salle de repos, rien que pour l'admirer. Ah, oui. Après tout, cette salle en valait bien le détour. Rien que pour passer un peu de temps dans cette jolie salle immaculée. Stanley s'est simplement assis ici en buvant. J'ai pas de bouton pour interagir avec la machine. Oui, ça en valait vraiment, vraiment la peine. Cette salle si captivante vous a carrément fait oublier vos amis.
Vous êtes là en train d'observer ces chaises et ces tableaux. C'est chelou. J'ai une conscience en fait. Mais toutefois, Stanley prit la première porte à gauche pour se remettre au travail. J'ai pris la première porte à droite. Sur ma gauche. Ou pas? C'est chelou. Stanley était si mauvais à suivre les instructions que c'est étrange qu'il n'ait pas été viré il y a des années. Mais quoi, mais il est en train de me dicter ma conduite? J'ai pas le droit de faire ce que je veux. Oh, il y a que là. Ne sautez pas du cargo tant qu'il est en mouvement. Écoute Stanley, je pense qu'on n'est pas parti du bon pied. Je ne suis pas ton ennemi, vraiment. Je comprends que placer ta confiance dans quelqu'un d'autre soit compliqué, mais l'histoire ne parle que de toi. Il y a quelqu'un que tu oublies, Stanley. S'il te plaît, n'essaye pas de prendre des décisions par toi-même. Je ne te demande pas ça pour moi, je te le demande pour elle. Mais on y est, Stanley. C'est ta chance de rémission. De mettre ton travail de côté. De la remettre dans ta vie. Elle t'attend. Mais quoi? Mais c'est quoi cette histoire de y prendre des décisions à ma place? C'est elle, Stanley. Tu dois être celui qui doit le faire. Ah, j'ai décroché. Ah, c'est lumineux, je vois plus rien. Oh Stanley, est-ce que c'est toi? Attends un instant s'il te plaît, j'ai un truc dans le four. Bien. Ok, on y est. Je veux que tu rentres et que tu me racontes toute ta journée.